Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur ma page Les Délices de Frifri. Je vous reviens aujourd'hui avec cette belle douceur. Nous sommes au printemps et les fraises pointent le bout de leur nez. Donc, j'ai fait une recette du tiramisu aux fraises parfumées à la menthe, à ma façon. Donc, dans cette recette, je vais remplacer les œufs et la crème liquide par du fromage blanc pour l'alléger. Voilà, une recette facile à réaliser que vous pouvez consommer en dessert et ben, comme vous voulez quoi. Voilà, ça se présente comme ça. J'arrête de parler et tout de suite les ingrédients. Pour réaliser mon tiramisu aux fraises, j'aurai besoin de 250 g de mascarpone. Ici, je vais remplacer la crème liquide par du fromage blanc pour l'alléger un peu. De 400 g de fraises, de 3 cuillères à soupe de sucre. Vous pouvez en mettre plus si vous le souhaitez. Hein. Et de à peu près 3 à 4 spéculoos par personne. Et de la menthe pour parfumer. Sans oublier les ustensiles qu'il faut pour la réalisation. Et aussi les verres pour un joli dressage. Tout de suite, je vais commencer par préparer ma crème. Je vais mettre mon mascarpone. Je vais venir ajouter 250 g de fromage blanc en remplacement des œufs et de la crème liquide. Je vais rajouter du sucre et bien mélanger. J'ai bien mélangé pour détendre ma crème. Ma crème est à présent prête pour la suite. Je vais découper mes fraises en petits morceaux et utiliser la moitié que je vais cuire dans une cuillère à soupe de sucre pour avoir une forme de coulis, mais pas vraiment. Et l'autre moitié, je rajouterai à la fin pour avoir du croquant. J'ai mis ma poêle à chauffer, je viens mettre une cuillère à soupe de sucre. Je la laisse fondre un tout petit peu avant de rajouter mes fraises. Et à l'aide d'une fourchette, je viens écraser mes fraises pour obtenir un petit coulis qui aura fait deux minutes. Je viens arrêter la cuisson de mes fraises. Et je rajoute l'autre moitié de fraises coupées et un peu de menthe pour parfumer mes fraises. Voilà, c'est prêt. Je vais à présent passer au dressage. Je vais mettre la couche de spéculoos au centre de mon verre. Spéculoos que j'ai imité. Et enfin, mes fraises. Je vous présente mon tiramisu aux fraises parfumées à la menthe. Reste plus qu'à les mettre au frais et puis les déguster ce midi. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la partager, de laisser un petit commentaire, de liker et de vous abonner sur ma page pour plus de vidéos. À très très vite, prenez soin de vous.